Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. Je suis très heureux de vous présenter une nouvelle série. Voilà, on commence une nouvelle série ensemble qui va nous emmener depuis le début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Le projet est de voir ensemble les différentes brachot, les différentes relations qu'on a avec Dieu qui nous accompagnent depuis le moment où on ouvre les yeux le matin jusqu'au moment où on va se coucher le soir. Comme ça, on passera toute la journée avec Akadosh Baruch Hu et c'est pas plus mal. Bekitsour, voilà, on va faire des petites vidéos. Chaque vidéo, une bracha. Une bracha ou une expression particulière pour nous relier à notre Créateur. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. La première chose qu'on fait quand on ouvre l'œil, avant même de s'être préparé quoi que ce soit, on ne sait même pas vraiment comment on s'appelle, à ce moment-là, on va dire une phrase. Modéani. Vous savez quoi? Je vous laisse écouter. Modéani lefanecha melechai vekayam shechezarta binishmati bechemla rabba emunatecha. Ok, maintenant vous avez entendu Modéani. Venez, on essaye de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Modéani. Reconnaissant je. D'abord, ce n'est pas de l'hébreu. Reconnaissant, je suis devant toi, melechai vekayam. Normalement, en hébreu, on met le sujet avant le verbe et non pas le verbe avant le sujet. Et là, pourtant, il est marqué modé ani et non pas ani modé. Eh bien, on l'avait déjà expliqué ensemble dans un autre cours sur la pensée du Rav Kook. Ça veut dire que c'est d'abord la reconnaissance que j'ai de manière profonde et intrinsèque, sans forcément le dire, que quelqu'un m'a donné la vie, que cette vie que j'ai reçue, et c'est ce que je ressens au moment où j'ouvre les yeux, on m'a rendu la vie, eh bien, je peux me permettre de dire « moi ». Ça y est, j'ai une importance, puisque Dieu m'a donné la vie. Donc, modé, je reconnais. Donc, ani. Mais je reconnais que je suis redevable devant toi. Modé ani lefanecha. Melechai vekayam, roi vivant et qui amène la vie. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je comprends, dès le départ, j'ai encore rien dit, je te dis, je ne sais même pas comment je m'appelle. Mais je suis conscient que celui qui m'a donné la vie est également celui qui est le maître du monde. Et c'est fondamental de comprendre cela. Je suis tributaire de quelqu'un qui m'a fait confiance. Et c'est le propos de la fin de cette phrase. Modéani lefanecha melechai vekayam, shechezarta bi nishmati, tu m'as rendu ma neshama. Tu m'as rendu mon âme. Pourquoi tu me l'as rendu? Tu me l'as rendu parce que d'abord, Bechemla. Tu me l'as rendu par Midat Chesed, par bonté. Chemla, c'est le kiff. Tu m'as fait kiffer. Mais attention, tu m'as fait kiffer, c'est vrai. Je n'ai encore pas mérité ce que je viens de recevoir. Je me suis à peine éveillé. Mais toi, tu attends de moi énormément. Toi, Dieu, tu attends de moi énormément. Et c'est pour ça qu'on termine en disant Rabba. Emunatecha. Rabba, ça veut dire grande. Mais nous ne nous y trompons pas. Emunatecha ne veut pas dire ma foi. C'est ce qu'on a l'habitude de penser. Que j'ai une grande foi envers toi, Dieu. C'est vrai, mais c'est pas ce qu'on dit. On dit Rabba emunatecha. Grande est ta foi. Ta emuna, elle est grande. Ta emuna, on parle à Dieu. Nachon, ta emuna en qui? En moi. Tu m'as rendu la vie, donc c'est que tu as foi en moi. C'est que tu me fais confiance. Tu me fais confiance pour remplir mon rôle dans ce monde, pour te dévoiler et pour faire de ce monde un monde meilleur. Alors, mes amis, si Dieu nous fait confiance, moi aussi je vais vous faire confiance. À bientôt !